À cette période des festivités, les artères de la ville de Lubumbashi enregistrent une intense circulation des véhicules qui s'accompagne de bouchons et embouteillages. Conséquence, beaucoup de conducteurs ne respectent pas les cours de la route et roulent chacun à sa manière. Voilà pourquoi la police des circulations routières a mis en place des mesures contraignantes. Des heurts et panneaux séparateurs sont placés au milieu des chaussées et boulevards pour contraindre les conducteurs à respecter les lignes. Blaise, conducteur de son état, apprécie cette méthodologie du travail. Le problème qui est là, le niveau pas à Wema. Pour des autres, la va chercher ma bis. Pour là, vous faites la ligne, moi, vous connaissez dans mon deux lignes, trois lignes. Parce que ça, on a pas de la ligne, moi, on a fait un peu de temps. C'est pour cela, on va faire ça, on a fait la vie des mères. On a appliqué même moi, bien, à ligne, moi, à tout. Bien, ça, on a pas des autres à part. À la question de savoir si l'on peut éduquer en détruisant les pneus des véhicules, les sources de la PSR soulignent que 70% des conducteurs louchois ne comprennent que le langage de la force. La preuve en est que depuis la présence des heurts et panneaux séparateurs, les lignes sont respectées sur les chaussées et boulevards.